Alors ce soir, Marion Guilbeault, c'est l'histoire d'une jeune fille qui reconnaît que la musique lui a presque tout appris. La politique, la rencontre et le partage avec les autres, l'engagement, la bienveillance, mais aussi la légèreté, la sensualité et le voyage. Camélia Jordana est aujourd'hui une femme bien ancrée dans son époque. Elle la raconte, elle la questionne, elle la restitue. Camélia Jordana est une femme fleur qui nous ressemble. Elle a perdu ses marques, mais pas son identité, comme nous. Elle a pleuré, comme nous. Elle a souffert, comme nous. Elle a aimé, comme nous. Elle a ri, comme nous. Et elle continue de faire tout ça, comme nous. Depuis que nous nous sommes connus en 2009, nous nous sommes immédiatement reconnus, de la télé à l'Etera. Oui, ça y est, le public a voté, une croix au stylo à encre juste au coin de la télé. Mademoiselle, vous êtes vivante, bravo. Et pour le coup, vous n'êtes pas virée de nos cœurs, puisqu'on a écouté ensemble Barbara. Nous vous avons aussi aimé en Calamity Jane, et on a compris avec vous qu'il y a des fois, vous vous sentiez seul, parce que vous aviez peur de votre gueule d'étrangère qui ne sait pas où aller. Mais dans le dédale de vos doutes et de vos pertes de repères, vous avez compris que vous aviez dans le sang un peu d'histoire, un peu de vent et de la route du temps, qui nous conduit ce soir au carreau du temple, jusqu'à vous, chère Camélia Jordana, une fille comme vous qui chante ses origines pas contrôlées, le drapeau, ses amours en forme de traversée du désir, Freddy Gray, tant de choses de vous qui font que l'on vous aime dans tous les recoins les plus obscurs de votre labyrinthe. Camélia Jordana en live ce soir. Bonsoir, merci à tous d'être là, c'est très émouvant. Et on va commencer avec Dao, qui veut dire lumière en arabe. C'est une chanson qui résume assez bien l'idée générale de cet album, qui a été inspirée par les événements de ces 3-4 dernières années qu'on a connus à Paris et un peu partout dans le monde. L'idée était de s'inspirer de ces événements comme des petites genèses pour chacune de ces chansons et d'y mettre le plus de lumière dessus, justement. Ça fait comme ça.
Le cinéma lui a fait tellement de place, tellement d'honneur qu'on l'avait cru perdu pour la musique, Camélia Jordana. Mais dans Sa vie survoltée, il y aura toujours de la place pour le son, pour la voix, pour la parole, pour le chant en live ce soir dans Full Sentimental sur France Inter jusqu'à minuit. Merci beaucoup. Ma grand-mère a déménagé le jour de la sortie de mon album. Album dans lequel j'ai décidé de mettre à l'honneur mon héritage, mes origines, ma double culture, la langue avec laquelle j'ai grandi dans les oreilles depuis petite. Et ça a donné cette chanson qui est une espèce de grand baiser envoyé à ma tribu féminine et elle s'appelle Pas ton temps. Les années calées nos abords, on m'a soutenu, porté nos rideaux. Toi tu viens, tu craches et tu dors. Je blique, je claque, je signe, j'échappe. Le seum d'avant, les voix du sang, mais les arlettes et le vent. Les sons de la pensée t'animent la pensée, t'as le corps que j'attends. تعرفنا عربية إذا بالسغيرة
Camélia Jordana en live au carreau du Temple, ce soir dans Foule Sentimentale. Et on est avec elle jusqu'à minuit sur France Inter. Se poursuit depuis, le freestyle se poursuit depuis, les regards oubliés reviennent si simplement s'installent, le freestyle se poursuit depuis, le freestyle se poursuit depuis. C'est un peu la Marianne de la chanson française, Camélia Jordana. Et ce soir, c'est drôle, elle est tout près de la place de la République à Paris, au carreau du Temple sur France Inter. Elle sera en concert à la Bellevilloise, ce sera le 17 décembre à Paris. Et pour la province, patience, patience, 2019 approche.
Camélia Jordana et ses musiciens. Merci beaucoup. Quel plaisir de vous voir ce soir, vous épanouir à nouveau sur votre terrain de naissance qui est la scène. Quel est votre sentiment à les faire vivre comme ça? Parce qu'elles ont vécu très longtemps dans les studios d'enregistrement, dans votre tête aussi. Hein. Ouais. Et tout d'un coup, voilà, elles deviennent charnelles. Il y a quelque chose de physique même, c'est étrange parce que c'est la première fois que c'est aussi physique de chanter ces chansons-là et en même temps je me suis un peu faite prendre à mon propre piège parce que j'avais envie que cette musique soit physique aussi pour les gens qui l'entendent. Comme vous disiez, ça fait 4 ans qu'elles sont dans ma tête et déjà il y a le grand plaisir d'être à nouveau sur scène face à un public, mais il y a surtout ce grand plaisir que de chanter ces chansons-là qui était nécessaire pour moi. J'avais besoin de raconter tout ce que je raconte dans cet album-là. Donc c'est vraiment, ça, je dis, je veux pas du tout être cheesy, c'est un vrai grand bonheur d'être là et de chanter pour vous. Merci infiniment Camélia Jordana. Beaucoup. La scène est encore à vous. Et puis on terminera par une reprise. Et je ne vous dis que ça. La Marianne de la République risque de nous faire lever pour de bonnes raisons. Vous êtes très full sentimental, sachez-le.
Merci beaucoup. Et il nous reste une dernière chanson. On nous a émis l'idée de faire une reprise. Je ne sais pas si j'ai envie de vous dire ce que c'est. Non, je vous dis pas ce que c'est. Camélia Jordana et ses musiciens sur France Inter dans Foule Sentimentale au théâtre du Carreau du Temple. Merci infiniment, Camélia.
pour ce magnifique moment de musique, de partage, d'émotion et de conscience. Trop content d'avoir fait notre grande première avec vous. Grande première dans le poste de la foule sentimentale. Ouais, avec des centaines de milliers d'auditeurs et d'auditrices, je peux vous le dire maintenant. Ah, vous ouais. On se la raconte voilà. Un peu maintenant dans le foule sentimentale. Voilà. Ouais, ça fait plus qu'un Stade de France hein, ce soir. Vous avez fait bien plus. Merci infiniment Camélia Jordana et ses musiciens encore une fois.